Salut Hussein, c'est Bolon Vibes. On est là aujourd'hui pour l'anniversaire des 20 ans de Tata Pop. Donc on aimerait juste te poser quelques questions. Vu que toi, vous êtes tout juste l'air jeune frère dans le hip-hop. Exactement. On aimerait savoir qu'est-ce que Tata Pop représente pour vous dans le rap malien. Ou bien en réalité, qu'est-ce que Tata Pop représente dans le rap malien? Tata Pop, c'est la représentation même du rap conscient dans le rap malien. Tu vois, non? Si jamais tu cherches le parfait exemple du rap conscient, du rap qui éveille les esprits, c'est Tata Pop, tu vois, non? L'Ourasson, ben, dans tous leurs sons, il y a un conseil. Tu vois, non? Et c'est un truc que tu peux trouver ça chez les rappeurs d'aujourd'hui comme Massasoumi, comme Milmo, ou bien même les plus jeunes, tu vois, un Dr Keb. Tu vois, il y a plein d'artistes qui donnent plein de conseils. Et ça, c'est Tata Pop qui a vraiment donné cette voix pour les hip-hop maliens. Bon, on sait que Egrajan, là, toi tu es plus dans l'ego trip, dans le technique, tu vois. Ouais. Donc, en fin de mais est-ce que, compte tenu de tout cela, est-ce que Tata Pop, vu que c'était grand frère, est-ce que vraiment ils t'ont influencé dans l'écriture ou bien je sais pas? Bon, tu sais, Tata Pop, ils m'ont influencé dans quoi? Leur détermination. Tu vois, mais tu vois qu'ils peuvent fêter leurs 20 ans et que la salle est remplie. C'est que vraiment, Ouébara Mouké, dans le passé, le travail qu'ils continuent à faire même aujourd'hui, ça a une grande valeur parce qu'ils ont bossé, tu vois, non. C'est cette détermination-là, là, ça m'influence vraiment, tu vois, non. Et ça fait plaisir. 20 ans, c'est vraiment une victoire pour l'hip-hop malien, c'est vraiment une victoire pour toute la musique malienne en général même. C'est pas n'importe quel artiste qui peut fêter ses 20 ans. C'est très rare, tu vois, non. Donc vraiment, ils sont à féliciter et on est là pour les supporter ce soir. D'accord, merci SN. De rien, on est ensemble. Et moi pour Bolon Vibes. Ouais, Bolon Vibes. Meilleur site, je vous suis, sérieusement, comme toujours. Et j'aime bien Bolon Vibes, tu vois, non. C'est un site qui supporte les plus grands et du plus grand au plus petit rappeur, tu vois, non. Surtout les underground. Moi-même, j'ai découvert plusieurs talents sur Bolon Vibes. Donc voilà, donc Bolon Vibes, on est ensemble. Et sûrement, on vous suit. Et j'invite tout le monde à suivre Bolon Vibes. Merci.